Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va super bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, mais alors une toute petite vidéo, eh bien, concernant ceci, voilà, Friends Experience, qui est donc, vous le savez, une expérience inédite à faire sur Paris jusqu'au 22 janvier 2023, eh bien, il vous sera possible de visiter ou de revisiter les nombreux décors de la série Friends, qui est ultra connue et reconnue dans le monde, diffusion tous les dimanches matin sur TFX. Il y a eu très récemment les 20 ans, les retrouvailles avec toute l'équipe. Et cette année, après un passage en Belgique, à Toronto, à New York et dans d'autres pays du monde, la The Friends Experience, The One in Paris, arrive à Paris, à Porte de Versailles. C'est depuis le 22 novembre, les amis. J'y suis allé le 30 novembre. Nous sommes le 3 décembre. Ma vidéo est disponible, le vlog vidéo est disponible le 2 décembre. Ça vous attend juste ici. Et là, vous voyez un truc là. Un truc qui est tout simplement, en fait, ma deuxième caméra, parce que cette vidéo sera en double caméra, pour vous proposer un très bon visionnage de l'unboxing des achats que j'ai fait à la boutique à la fin de l'expérience Friends. Il y a une boutique, je ne vais pas vous cacher que c'est un petit peu excessivement cher, je vais vous dévoiler les prix. Il y a deux photos que j'ai prises, là-bas directement. Il y a aussi une figurine, car il y avait, vous l'avez vu dans mes stories, un étalage complet, avec des Funko à l'effigie de la série. Je m'en suis acheté une, et une gourde à l'effigie de Central Perk. Bref, c'est parti les amis, je vais tout vous déballer, je vais tout vous montrer. C'est parti les amis pour ce grand déballage. Je vous en dis plus et je vous en montre plus. Allez, c'est parti les amis, la caméra est ici, elle est bien. Allez, bon, nous allons commencer par la gourde Central Perk Friends. Voilà les amis, je la montre d'abord à la caméra de la caméra B, puis je vous la montre à vous, caméra A. Ah bah, elle est comme elle est, ah bah forcément, comme elle est verte, elle va transparaître comme ça dans le fond vert. Bon alors, pour vous pouvoir faire simple, je vais la remettre ici. Pour faire simple, elle est, vous l'aurez compris, verte, transparente du coup, mais il y a les logos Central Perk juste ici les amis, voilà. J'espère que cela vous plaît. C'est vraiment un petit unboxing que je fais, parce que vous savez que j'adore faire des unboxings un peu fait maison. Ouh, une gourde qui vole. Pardon, je suis un enfant. Donc, vous le savez, les amis, j'aime bien faire des petits unboxings. Surtout qu'on n'en fait pas des masses sur la chaîne, et que je sais que vous aimez ça. Mon dernier unboxing a fait plus de 300 vues, c'était sur le Spiderbot. Donc, petite gourde à 20 euros. Oui, c'est pas très donné, mais bon, franchement, qui aime ne compte pas, quoi. C'est ce qu'on dit souvent. Donc, petite gourde à 20 euros disponible en limité exclusive pour le magasin Friends à Paris, porte de Versailles. Après, les amis, nous avons forcément les photocalls qui vous seront possibles de faire des photos pendant votre expérience, voilà, avec la fameuse porte, la fameuse scène de la porte, là aussi avec un fond vert, voilà. Et la troisième photo que je n'ai pas ici, mais qui est disponible sur mon Instagram, où il y a évidemment la photo avec l'inconditionnel canapé du générique d'introduction de la série. Voilà, je vous le remets, voilà. Je vous montre aussi là, pour vraiment que vous voyez bien. Voilà. Voilà les amis. Je vais vous montrer aussi là.
Tout ça, c'est vraiment fait avec du fond vert, hein, les amis. Et puis, nous passons à la dernière chose, les amis, que j'adore. C'est évidemment, je pense que vous l'avez vu, hein, c'est évidemment les Funko Pop. Et celle-là, elle est très spéciale. Et alors, les Funko coûtent 18 euros. Oui, c'est 4 à 5 euros plus cher que dans le commerce. Mais encore une fois, qui n'aime ne compte pas. Et puis, la texture de la boîte est particulière pour une boîte de Funko. Si je peux la comparer à celle-là, alors, j'en ai pris une au pif, hein. J'en ai vraiment pris une au pif, ça c'est du Batman, bon bah très bien Batman. Et regardez quand même, je trouve qu'il y a une différence de texture, hein, sur la boîte. Là c'est plus plastifié, etc. Là c'est plus cartonné, vraiment, hein, sur... vraiment. Donc il y a une petite différence, il faut que je dépoussière mes étagères. Voilà les amis, donc... je le remets, voilà, Friends, avec Joey, hein, avec cette fameuse scène où il porte tous ses vêtements, là, comme ça, là, empilés, comme ça, voilà. Voilà, tous ses vêtements empilés, il y a deux à collectionner, hein. Voilà, je le montre aussi à vous, les amis, voilà, il y en a d'autres à collectionner, mais très sincèrement, bah, je suis quand même assez satisfait de mes achats. C'est quand même une impression photo, hein, on va revenir sur les photos deux minutes, c'est quand même une impression photo assez bien faite. Donc voilà les amis, je suis quand même très heureux de mes achats, je suis très content et j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Mon vlog vous attend avec plein d'extraits de la série, avec les décors qui ont été reconstruits, etc. J'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Allez, ciao tout le monde.